Coucou tout le monde! Bienvenue les potos et les potesses! Salut à toi Amar, salut Marie, salut on s'en fout! Salut Christopher, salut TTV, comment ça va? Salut Stéphane, salut Guillaume! Donc ça c'est bien. Alors le son du jeu, on verra bien comment ça se passera quand on sera dans la game, hein, parce que là j'ai laissé le volume identique par rapport à Alone in the Dark, mais peut-être qu'on va devoir baisser, va savoir. Salut Yves. Donc là, attendez, moi je fais mon petit truc, bibili boubip, voilà. Tac, schlac. Alors ça, je peux bazarder. Ok, salut Choukri. Ayam Rehadi. Donc là, on va reprendre par rapport à là où on s'était arrêté à la fin de l'épisode 2. Au niveau des VOD. Salut Ruben. Salut Gaming. Bah écoute, moi je vais bien. J'espère que c'est pareil pour vous. Il est quelle heure là? Il est 21h19. Donc on va pas tarder à lancer la game. Mais en vrai, je pense à un fortiori qu'à chaque fois que je lancerai le live, hein, il y aura la petite cinématique, hein, qui est vraiment très très bien fichue, qui n'est ni trop longue ni trop courte, et qui nous met bien dans l'ambiance. Salut Eric. Donc ouais, on va voir un petit peu ce qui va se passer là dans la suite de l'aventure. Toujours de bonne humeur Marcus, c'est bien. Ben oui, toujours. Toujours. N'oubliez pas le petit pouce en l'air si c'est pas déjà fait. Il y en a qui l'ont déjà mis. Mais il y en a d'autres qui ont oublié. Ou qui ne valent pas. Va savoir. Ah, 21h20. On va pouvoir lancer la game. Allez, hop. Épisode 3, nous voilà. Je t'adore, peux-tu faire plus de VOD parce que je ne peux pas regarder tous les lives? Bah, si je fais plus de VOD. En vrai, si je fais plus de VOD, ça revient au même que si tu regardais des lives. Parce que si tu regardes les rediffs, ça te fera autant de contenu à voir que si je faisais plus de VOD. Que je fasse plus de VOD. Que tu passes 2 heures, 3 heures à regarder des VOD ou à regarder des lives, ça revient au même. Hein. Salut Stax. Bon, bah écoutez, hein, la dernière fois, rappelez-vous, on s'était quitté après une cinématique, hein, qui nous avait montré moult nouveaux personnages qui auront des une importance plus ou moins forte, hein, au fur et à mesure où on va avancer dans le jeu. Et on avait fait un petit coup de planeur, hein. Rappelez-vous, on était tout là-haut, là. Vous voyez le bâtiment au-dessus de la tête? On était tout là-haut et on avait fait un petit peu de planeur jusque là où je me trouve. Et maintenant, bah, on va devoir aller voir Ryo. Le Ryoma Sakamoto à la poursuite de la lame jumelle. Salut Jason. Donc allez, on est parti. Hop. Alors moi, je vais peut-être rehausser le son du jeu. Voilà. Enfin, le son du jeu au niveau de ma télé. Et donc là, c'est ce que j'avais dit. A fortiori, il y aurait une ambassade. Salut toi. Hop là, on a récupéré une date rouge. Mais elle est où la poule? Pourquoi il y avait une date dans la poule? Ça ne veut rien dire. Donc ouais, là on a le drapeau français. Donc il y aurait bien une ambassade française juste à côté. On va pas y aller, mais voilà. Salut Val.
Donc là, on va aller tout droit de ce que je vois. On a 100 mètres à faire. Rencontrer d'autres Ronins. Vous rencontrerez d'autres Ronins dans les villes et sur les routes. Les battre améliorera votre maîtrise de leurs armes et vous rapportera de l'équipement. Attention, livrer ce genre de combat peut augmenter votre niveau de recherche. D'accord. Sympa. Ouais, voilà, un petit coup de planeur. Oui. Attention, c'est juste ici. Atterrissage. Oh oh. Yo, poto Rio. Alors, tu as trouvé facilement? Depuis l'arrivée des navires noirs et l'ouverture du port, il y a beaucoup d'agitation par ici. Et qu'est-ce qui t'amène à Yokohama, au fait? Je voulais voir les navires noirs. Je cherche quelqu'un. Je préfère ne pas en parler. Je cherche quelqu'un. Oh, tiens donc. Moi aussi, je cherche quelqu'un. Et pas n'importe qui, tu peux me croire. Je suis venu rendre visite à Shoin Yoshida. Tu dois avoir entendu parler de lui. C'est un maître brillant et résolument tourné vers l'avenir. Il voit clairement ce que nous pourrions être dans 100 ans. Et il sait comment réaliser sa vision. Pour tout te dire, nous avons étudié auprès du même maître. Mais il a ses propres élèves désormais. Tu devrais le rencontrer. Ses élèves et lui devraient déjà être arrivés en ville. Ils ont quelque chose de fascinant. Tu verras. Hey, personne ne t'a donc appris à marcher droit? Oh, merci, monsieur. C'est vraiment très aimable à vous. Mon nom est Taka Murayama. Je suis une geisha du quartier des plaisirs. Ce serait un très grand honneur de vous y recevoir tous les deux. Oh, mais tout l'honneur serait pour nous. Nous allions justement partir dans cette direction. Cela ne pouvait pas mieux tomber. À bientôt! Le mec, il perd pas le mort. Parfait! Maintenant, viens avec moi! Nous avons mérité une petite fête dans la partie la plus amusante de la ville. Viens, le quartier des plaisirs est l'endroit rêvé pour les ragots. Tu y entendras toutes sortes de rumeurs. Le quartier des plaisirs. Et puis, bon, tu as vu cette femme, non? J'ai des choses à voir à Yokohama avant de partir à la recherche de maître. Vous servez le démon rouge. Vous êtes censé vous débarrasser des étrangers. Assez! Encore un mot comme ça, et je ne réponds plus de rien. Ça commence à s'agiter. Le quartier des plaisirs, ça me botte pas mal. Le démon rouge semble s'abattre impitoyablement sur la faction anti-shogunat. Ah oui, non, mais moi, oui, Guillaume, hein, tu m'as tout de suite cerné. Les gens croient que la panique va les conduire quelque part. Vie, hein. Il ferait mieux de réfléchir à ce qui convient pour l'avenir du Japon. Je te tiens, Sakamoto. Si tu résistes, ça te rendra les choses plus difficiles. Sérieusement, ça s'arrête jamais. Attention. Merde. Super. Alors Rio, ça va, tu t'en occupes? Tu veux un coup de main? Rio, allez, qu'on en finisse. Voilà, magnifique. Ah, quel ramassis barbare. On ne peut vraiment pas raisonner avec les gens on de Tossa. C'est sympa là. Eh mais c'est ici non?
je crois que c'est notre destination. On dirait bel et bien le quartier des plaisirs. Ah ah, le plaisir du plaisir. J'aime bien parce que regardez les PNJ, il pleut donc ils sont agités, ils se protègent. Ouais, ça c'est plutôt pas mal. Ouais. Ah, c'est joli ici. Faudrait qu'on y revienne de jour avec ces cerisiers en fleurs. Nous y voilà. Ah, oh, mais serait-ce... Attends. Super. Salut Anas. Vous devez être les samouraïs dont parlait Taka. Nous vous attendions. Ouais, c'est bien nous. Comment as-tu deviné ? Elle a parlé d'un homme très séduisant et chaussé de cuir. Je vous ai tout de suite reconnu. Quelle perspicacité ! Tu feras une merveilleuse geisha. Mon nom est Kichi, Kichi Saito. Je vous souhaite la bienvenue au quartier des plaisirs. Oh, au fait, j'y pense. Je dois vous prévenir qu'il est interdit d'être discourtois ou de dégainer ici. Un discourtois, c'est-à-dire ? Dégainer, c'est-à-dire ? Non mais... Si on fait ça, elle va nous prendre pour un teubé, hein. À présent, si vous voulez bien me suivre... Par ici, je vous prie. On te suit. Voici donc le quartier des plaisirs. Nous y sommes enfin, camarades. Eh bien, quel endroit. Il y a des choses à faire ici, c'est certain. Oui, avec des doigts. Je pense que les doigts... Ouais, enfin bref. Ce quartier n'a été construit qu'après l'arrivée des navires noirs. Toutes sortes de clients viennent ici. Voyez cela comme un lieu où les étrangers et les samouraïs peuvent se mélanger. D'ailleurs, saviez-vous que Taka est notre geisha la plus accomplie ? Il est très rare qu'elle accorde une audience à quelqu'un si rapidement. Je dois dire que vous avez beaucoup de chance. Veuillez attendre ici. Taka vous rejoindra en temps voulu. Eh mais je suis nu-pied, moi ! Dois-je vous resservir ? Oh, merci, ma chère. Quel lieu fantastique ! On a bien fait de venir. Pardonnez mon intrusion. Je suis vraiment désolée que vous ayez dû attendre. Je vous en prie, permettez-moi de m'occuper de vous. Eh bien, j'ai l'impression que c'est la première fois que vous venez dans le quartier de Miyazaki, n'est-ce pas ? Oui, c'est bien ça. C'est le quartier de tous les plaisirs. Amusez-vous, et surtout oubliez le monde réel. Au fait, j'ai vu un visage familier en arrivant. Il faut que j'aille saluer mon ami. Quel homme des plus galants. Êtes-vous venu à Yokohama ensemble ? Ah, alors attends. Là, on voit qu'on n'a pas le talent oratoire mensonge. Donc là, tu vois, je peux pas dire en effet. On n'a qu'une possibilité, se dire non. Et d'un autre côté, pourquoi on mentirait ? On n'est pas venu avec lui. Ben voilà, c'est tout.
Vraiment? Vous paraissez pourtant très proche. Puis-je vous demander ce qui vous amène en ville? Je cherche la samouraï qui était à bord d'un navire noir. Je cherche Shoin Yoshida. Et je suis venu vous voir. Non, on va dire ça. J'ai justement entendu des rumeurs au sujet d'une samouraï qui était à bord d'un navire noir. Travailler ici permet d'apprendre toutes sortes de choses, vous savez. Mais avant d'en dire plus, j'ai un petit service à vous demander. Je veux que vous photographiez le quartier des plaisirs avec l'un de ces nouveaux appareils photo. On raconte qu'une photographie reproduit fidèlement la réalité. Alors voilà, j'aimerais immortaliser cet endroit. Faites cela pour moi et je vous parlerai de la samouraï qui était à bord d'un navire noir. Oh, j'oubliais. Pour obtenir un appareil photo, vous devrez aller au studio de photographie. Je compte sur vous, d'accord ? Salut Big Boss. Bon. Maintenant, faut que je me casse et on va devoir aller voir Rio, d'accord. Non, c'est pas par là. Est-ce que je peux aller... Alors attends, faut que j'aille où en fait ? Ah, faut que j'aille à gauche. Super. Mais attends. D'accord. Je vois qu'ici, ça se prélasse pas mal. Hop. Schlack. Et maintenant, à droite. Waouh, comment elle est trop bien habillée, là. Regardez. Ah, et franchement, c'est plutôt pas mal. Hé, hey, tu nous quittes déjà? Tu as retrouvé la trace de Shoin Yoshida, tu as parlé à ton ami? Ouais. Malheureusement, il ignore lui aussi où se trouve Maître Shoin. Les gens du quartier ont des choses à dire d'habitude, mais pas ce soir. Et toi, tu as pu t'amuser ? On peut dire ça, on m'a demandé un service, Taka et moi sommes devenus très proches. J'ai pas envie d'être malhonnête avec lui, je vais lui dire qu'elle m'a demandé un service. Tu as le chic pour te faire entraîner dans de drôles d'histoires, tu sais. Ah, au fait, ma soirée n'a pas été un total échec. Je connais le propriétaire de la Nagaya du coin. Les renins aussi ont besoin d'un endroit où dormir, pas vrai? Je vais aller te dégoter une chambre. Rejoins-moi plus tard, d'accord? Maintenant, allez à Nagaya. Non, allez à la Nagaya. C'est quelque part par là. On va voir ce qu'il en est. D'ailleurs, on peut... Non, on peut pas s'asseoir là. Ah non, mais je confonds avec un autre jeu. Avec Dragon's Dogma 2. Où on peut s'asseoir sur le banc et attendre. Là, on peut pas. C'est ça, hey, la Nagaya ? C'est un peu délabré, mais spacieux. Tu pourras y ranger ce que tu veux, y compris des vêtements. J'espère que tu apprécieras. Vas-y, alors, juste avant. Hop. Maintenant, ici. La Nagaya est désormais disponible. Les personnes avec lesquelles vous avez un lien vous y rendront visite.
Pour renforcer vos liens avec elle, parlez-leur ou essayez de leur faire des cadeaux. À la Nagaya, vous pouvez aussi stocker des objets, ajouter des meubles, changer l'apparence de votre personnage et changer l'apparence de votre équipement. Sélectionnez coopération pour accomplir des missions avec des joueurs en ligne et gagner divers avantages. Franchement, c'est plutôt agréable de se détendre comme ça. Si je fais détente. Il faut savoir se reposer de temps en temps. Attends, personnaliser. La fonction personnaliser vous permet de modifier l'apparence de votre équipement. Si vous avez obtenu au moins une pièce d'équipement, vous pouvez modifier son apparence à tout moment, même si elle n'est pas actuellement en votre possession. Plus vous avez d'équipements et d'objets de personnalisation, plus les possibilités sont nombreuses. Changer les apparences n'a pas d'impact sur les stats de vos armes et armures. Protection de tête. D'accord. Non mais je vais rester comme ça. Protection de corps. Ah ouais. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ensuite, oui. Maintenant, si je vais dans Intendance. Réserve. C'est dans la réserve que vous stockez ou récupérez vos objets. Lorsque vous interagissez avec une bannière des lames secrètes, vous réapprovisionnez automatiquement et en récupérant dans votre réserve les objets assignés à vos arsenaux et ceux de vos armes, de votre arme secondaire, d'accord. Ok. Si je fais parler. Discutons un peu. Mais vous êtes où là ? Interagir avec les personnes. Lorsque vous interagissez avec des personnes, plusieurs options s'offrent à vous. Vous pouvez demander leurs avis sur l'époque actuelle, en apprendre plus sur leur histoire personnelle et vous rapprocher d'elles en leur offrant des cadeaux. Les sujets de conversation disponibles s'étoffent à mesure que vous renforcez vos liens. J'ai pas grand choix. Hein ? Je t'écoute ? Salut Playmouse ! Je voulais faire quelque chose pour ce pays. À Tossa, mon impact sur la société aurait été plus réduit, tu sais. J'essaie de faire ce qu'il y a de mieux pour tout le Japon. Et ce n'est pas toujours ce qu'il y a de mieux pour Tossa. Si j'étais resté, j'aurais pu causer des problèmes à ma famille. Bref, je n'avais pas trop le choix. J'ai pas de cadeau, mec, hein, donc vraiment. Tant pis. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit dodo. Matin. Non, mais après, c'est très bien, hein, qu'il y ait beaucoup d'informations. Hein. Je préfère un jeu qui prend la peine de t'expliquer un petit peu le lore de ce qui t'entoure, du monde, etc., plutôt que de ne rien dire et qu'on soit totalement perdu. Bon, allez, je vais dire que je suis pas. Que c'est bon. Sortir. Bien, allons-y. Pas mal, non? Tu peux t'en servir librement. Je passerai te voir de temps en temps. Je dirai à tout le monde que c'est ici que nous logeons. Ça devrait mettre un peu d'ambiance. Bon, je vais te laisser maintenant. Je dois encore retrouver la trace de Maître Shoin. Merci de m'avoir trouvé cet endroit. Ouais, ça. Tu te sens déjà chez toi, hein. Je regrette, mais je dois y aller. Attends. Je voulais te donner ça. Qu'est-ce que c'est ? Une montre à gousset. Comme ça, tu sauras toujours l'heure qu'il est. J'espère que ça ne te dérange pas trop qu'elle soit usée. Elle te sera très utile. Bon, à plus tard. Bye bye, mon petit Rio. Aller au studio de photographie.
Changez de style. En renforçant votre lien avec Ryo, vous avez appris un nouveau style de combat. Vous pouvez associer jusqu'à 3 styles de combat à chacune de vos armes principales dans le menu équipement. Non seulement les types de styles Ten, Shi et Jin ont des compétences martiales et des contre-éclairs différents, mais ils sont efficaces contre des armes différentes. Maîtriser chaque style de combat peut être pour être efficace, d'accord. On verra ça après. Je vais d'abord me rendre... quoique non, je vais aller de suite. Comment ça marche? Non, c'est pas là. Si, c'est là. Équipement. Ah ouais, regardez. Donc là, on a Mumio. Un style de combat aux techniques extrêmement polyvalentes. Et là, on a Okushi Nito. Un style de combat qui permet de noyer les ennemis sous un déluge d'attaque. Bah, c'est déjà équipé de base. Je vais y arriver. Et je vais voir, est-ce que j'ai des armes? Ah bah oui, bah voilà. On a Ushiganata à spirale. Et là, ici, j'ai lance d'artisan, d'assistant. Oh là 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 là, je ne sais pas lire, c'est pas possible. Désolé. Tu vois, on est au petit matin dans le jeu, donc tu vois, je suis comme mon perso, je me réveille. J'ai mon cerveau qui est encore un peu embrumé. Et ne vous inquiétez pas, ça ne saurait tarder. Je vais vite retrouver mes esprits. Donc là, on va aller voir le photographe pour qu'il puisse nous donner un appareil photo. Et avec l'appareil photo, on pourra prendre des photos dans le quartier. Nous avons été prévenus que vous fabriquiez des choses douteuses ici. Hé, hey, vous! Que faites-vous ici? Ah, j'ai pas fait gaffe. Vous m'avez l'air louche. On s'en fout. Parlez! Qui êtes-vous? Le seigneur Yi nous a ordonné d'arrêter toutes les personnes suspectes. Ah merde! Je travaille pour la police! Talent oratoire mensonge. Si je vous paie, vous acceptez de m'ignorer? Talent oratoire persuasion. Dois-je tremper ma lame dans votre sang? Talent oratoire intimidation. Ou alors, fichez-moi la paix, mais si je fais ça, bah c'est la bagarre. Donc, va y avoir la bagarre. Répétez ça! Pour qui vous prenez-vous? Vous dépassez les bornes! Vous méritez une bonne leçon! Pousse! Pousse! On m'a dit que j'avais une arme niveau 73. Ah ouais! Ah bah bouge pas. Bien joué. Tac. Kanoda! Merde! Ils me font trop mal! Oh là 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 là! Hop! Prendre. Ok, d'accord. Encore crevé.
Pas possible. Là, j'ai plus de vie, hein. Allez, amène-toi. Oh là 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 là. Galère, hein. Merci. Je vous dois une fière chandelle. De rien. Je vous remercie. Ces idiots, ils prennent les appareils photos pour une sorte d'arme. J'aimerais vous faire une démonstration, mais mon appareil est malheureusement cassé. Mon gagne-pain est parti en fumée. Alors, Higashichi, les réparations avancent bien ? Je crains que non. Sans les plans, je ne peux rien faire de plus. Oh, fichu voleur. Vraiment ? Oh, c'est terrible. Ces voyous n'ont pas idée de la valeur de leur larcin. Mais je ne peux pas aller le leur reprendre. Oh, attendez. Est-ce mon prototype de planeur que vous avez là ? Vous l'avez repris à ces voleurs ? Ah, c'est incroyable ! Serait-ce possible ? Oh, je ne sais pas ! Ah, peut-être ! Tout est clair dans mon esprit, j'ai tout prévu ! J'ai besoin de ces plans. Si vous m'aidez, je vous offrirai un appareil photo. Qu'en dites-vous ? Je pense que j'ai pas trop le choix. Une réponse rationnelle. Vous devez avoir une âme d'inventeur. Les voleurs se sont installés dans les ruines du château de Maïta. Mais nous ne pouvons pas débarquer comme ça. Allons au temple qui est tout près. Oh, mais au fait, je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Higashichi Izuka. D'où je viens à Itachi, on me surnomme Higashichi le bricoleur. Bien, je vous attendrai là-bas. Ça alors ? Il est remonté comme une pendule. Aidez-le du mieux que vous pouvez, s'il vous plaît. Ouais, j'ai des shurikens. Maîtrise de l'arme. Votre maniement d'une certaine arme a gagné en efficacité et votre maîtrise de l'arme a augmenté. Plus votre maîtrise de l'arme est élevée, plus vous gagnez de points de compétences et de stats. Ah, c'est nickel. Donc là, le jeu... Waouh ! Il me dit de faire 1900 mètres. Parce que pourquoi pas. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler le cheval. Super. Et c'est parti pour une aventure à dos de cheval. On va regarder un petit peu ce qu'il va y avoir, ce qui va s'offrir à nous. Parce que là, tu vois, on quitte la cité pour retourner dans la Pampa. Et à partir de là, ça va être de l'exploration, quoi. Très clairement. Là devant, on a quoi ? Ah ouais, d'accord, ok. C'est une écurie. Hop, 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 descends mon gars. Voilà, salut Cyril. On est reparti. Chat endormi. Il y a un chat calico endormi non loin.
Comme avec les autres chats, vous devez vous en approcher pour l'attraper. Attention, les chats calicots sont vigilants et le bruit les fait fuir pendant un moment. Ok, c'est là. On va se rapprocher tout en silence. Vous avez gagné des points de compétences rares. D'accord, ok. On verra ça après. On a, semble-t-il, le matou qui est juste là. Super. Donc maintenant, on va s'approcher tout doucement. Et hop! Mais voilà! Magnifique! D'ailleurs, hein, je vous ai pas dit, là, on doit écouter la demande d'Higashishi Izuka au château de Maïta. Viens là, toi! C'est vachement loin, dis donc! Mais attends, là! C'est quoi, c'est un temple? Vénération, ouais. Visitez les sanctuaires présents dans différentes zones pour gagner des points de compétences, renforcer vos liens de zone et obtenir des avantages. Regardez-moi cette végétation qui bouge en permanence. Qu'est-ce que vous en pensez d'un point de vue graphique? Moi, j'ai vu des gens qui disaient qu'il était moche, mais il est pas si moche que ça, il est plutôt joli, non? Après, forcément, c'est pas un foudre de guerre, hein, mais clairement, on est loin d'un jeu moche, hein. Attends, bouge pas. Je vais en profiter pour aller dans équipement stat. Donc là, j'ai 6 points de compétence, mon gars. Contre-éclair à main nue. Permet de faire des contre-éclairs à main nue. Ouais, non. Dégâts de coups critiques augmentés. Augmente les dégâts infligés par les coups critiques. Dégâts plus 2%. Tac. Merde. La renvoi de flèches, ça peut être bien. Non mais on s'en fout de ça. Mais non mais... Voilà. Ici, fabrication d'objets de renforcement. Là on a quoi? Communication. Ah! Talon oratoire. Merde, je peux pas, vous avez pas assez de points de charisme. Merde, fait chier. Communication animale, ouais non, vague de soins, permet à vos partenaires de profiter des objets de soins que vous consommez, récupération plus 7,2%, coopération critique, quand vous infligez un coup critique, votre partenaire enchaîne avec un autre coup critique. Ah ça peut être cool, notamment quand on fait des missions en coop. Si je vais là, on a de l'intelligence, esquive et tir. Ça je peux le prendre. Il reste un point. Augmente la vitesse des balles de fusil et les dégâts infligés aux ennemis lointains. Ah, je peux pas. Ah, mais j'ai compris. Donc là, affaiblissement des ennemis, morale réduit. Je peux pas. Donc je pense a fortiori qu'on va attendre. Mais là, j'ai un point de fort. Enfin, je sais pas c'est quoi, point de force. C'est un truc du genre comme ça, là, non? Intimidation en tout cas, voilà. Hop. Ça me paraît bien. Allez, on peut continuer. Viens là, Barnabé. Ouais, tiens, je vais l'appeler Barnabé. Je sais pas pourquoi, j'ai pensé à Barnabé. Attention, messieurs. J'ai entendu ça aussi, effectivement, il y a pire comme graphisme. Mais ben ouais. Bah ouais, complètement. Y a-t-il quelqu'un qui ait confiance en ses talents martiaux? Ah. Vous là, un seul regard me suffit pour savoir que vous êtes un dur à cuire. Pourriez-vous donner une leçon à mon élève?
je fais accepter. À vos marques, combattez! Mince, beaucoup trop tôt. Merde, je le fais beaucoup trop tôt. Assez. Ok. Bravo. Mec, il est en somme, c'est pas grave. Voici une compensation pour vos efforts. Je crois que mon élève a des progrès à faire. Et moi aussi, hein. Moi aussi. Yoshida Shindain, ouais. Tenue d'entraînement, pilule médicinale et tenue de voyageur. Ah, bien. Mais vraiment, là, j'ai très mal joué. Hein. On y va. C'est pas mal, là. Ah, d'accord, ok. Bâtis le voyou. Battez les voyous. Tu as une attaque que les autres ne peuvent pas contrer? Bah, toutes les attaques hein, peuvent être contrées, enfin, je pense. On a récupéré. Non mais on va pouvoir changer de tenue, c'est ça qui est bien. Mon inventaire est plein. Merde. Là-bas. Là-bas, 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 là-bas. Bon bah ça va, je reprends là. Alors je vais essayer un truc. Est-ce que à cette distance là je peux me le faire? Oh.
très mon nommé. C'est ok. Y a plus qu'à attendre. Contrôle au bon moment. Ouais, mais j'ai trop du mal. J'ai vraiment extrêmement de mal avec le timing. Merde. Le gars, il est là-bas. On va l'attendre. Tu peux zoomer avec le fusil, il me semble. Bah, je pourrais pas te dire parce que j'ai plus de balles. Donc, bon, bah, on verra ça tout à l'heure. Allez, dépêche-toi. Qu'il est long, qu'il est long. Alors maintenant, va falloir s'occuper du Lascar. Je vais regarder vite fait là, tiens. Au niveau de mes armes, est-ce que j'ai quelque chose de mieux? Là, j'ai du 87. Là, j'ai du 70. Non. Non, 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 non. Attends, armure. Si je prends le chapeau, ouais. Si je vais là. Ah ouais! Costume de gentleman. Pas mal. Tac. Ici. Vas-y, on va faire un petit mélange... De genre, on va dire ça comme ça. Non, c'est bon. On fait absolument pas Ronin, mais c'est pas grave. Hein. En vrai, c'est parce qu'il n'y a rien pour l'instant qui me satisfasse. Mais quand ce sera le cas, on changera. Fait chier, mais il me fait chier. Envoie les barils avec le grappin. Ouais, mais ce sont pas des barils explosifs, hein. Ce sont des barils d'eau.
À quoi ça va servir de lui jeter des barils d'eau? Headshot. Et tu viens ou pas? Putain, encore 3 ans trop tôt. Essayer. Ah, le mieux c'est le contre, mais le problème c'est que j'arrive pas. Je suis nul en contre. Salut Vincent! Pour te dire, tu as pas la bonne arme. Regarde le logo rouge sur la tête du personnage. Ça veut dire que tu as pas la bonne arme. Si c'est bleu, ça veut dire que tu as. Ah, ok, d'accord! Merci Vincent! Alors, si c'est pas la bonne arme, on va essayer avec l'autre arme que j'ai. On va savoir. Là, du coup, c'est pas bon. Là, Vincent, là, du coup, c'est pas bon aussi. Ou je prenne quoi comme arme? Une lance? Peut-être. Ben là, c'est rouge. Donc du coup c'est pas bon. Et en fait ni celle-là et ni celle-là. Enfin voilà, donc du coup faut que je change d'arme. Si je remplace mon katana par. Mais ouais, mais le problème c'est que si je prends une lance par exemple. Une lance à 63. Non, ça marche pas. Moi je comprends pas là le truc. Là on voit une flèche rouge vers le bas. Et si je prends ça ou ça, ça revient au même.
On va écouter, on va jouer avec ça, puis c'est tout. Essaye l'épée à une seule épée. Je vais voir ça. Parce que là, je me fais désosser, je me fais déboîter, je me fais laminer. C'est pas possible. Alors, on va prendre une épée. On va prendre celle-là en fait, hein, j'ai que ça. Bah, quoique non, j'ai cette arme-là. Éventuellement. C'est rouge aussi, donc moi je comprends rien. Hey, c'était il y a quelques jours, j'ai oublié. Ouais, toutes les armes que j'ai, ça me dit non. Je vais essayer les doubles lames. Est-ce que là c'est good? Non, ça revient au même. Ça revient au même, c'est de la merde. Je comprends rien. Après. Des fugitifs recherchés par le shogunat se cachent un peu partout dans le pays. Vous pouvez voir leurs emplacements dans menu carte. Battez-les pour obtenir des récompenses de la part des fonctionnaires du gouvernement. Maintenir la paix de cette façon permet de renforcer vos liens avec des zones et de déverrouiller leur infrastructure et leur mission. Renforcer vos liens vous procure plus d'avantages. Pinaise ! Il était vraiment temps de réussir cet affrontement. Hein.
Parce que là, bordel. J'ai pas compté spécialement combien de fois j'étais mort, mais à mon avis, ça a dépassé 6-7 fois. Hein. Tiens, qu'est-ce qu'il y a encore ? Qu'il m'emmène. Oh merde. Merci, mon petit chien. Quoi ? Ok, d'accord. Ça explose. Excuse-moi mec, je ne voulais pas te réveiller, je ne voulais pas t'alarmer. Et moi quand je vois un baril rouge, je me dis que pourquoi pas. Rouleau de dextérité. C'est trop ça. Mais regardez, il y a quelqu'un là-haut. Attends, c'est une personne ou c'est autre chose? Ah non, c'est pas une personne ça. Donc nous on s'était arrêté là. Viens là. Qu'est-ce qu'on a là? Allez, on y va. On va suivre le chemin. Wouah, c'est stylé ici. Bulbe de pivoine. Attention, attention. Donc là, d'accord. 80 mètres. Mais non, c'est en... Mais non, mais putain de merde. Je suis en train de faire n'importe quoi. Ça sert à quoi les loups dans le jeu? Bah je sais pas moi. C'est ici que je dois aller. Attends. Je suis en train de m'éparpiller. Parce que là en fait faut que j'aille sur la gauche. On va couper. Salut l'univers Play d'Alex. Oula. Le jeu est extrêmement difficile. Bah, en fait, les jeux ne sont pas extrêmement difficiles. Ils sont par contre très exigeants. C'est deux choses tellement différentes. Battez les ennemis 0 sur 11, battez des adversaires redoutables 0 sur 4. A mon avis, adversaires redoutables. Les ennemis d'un niveau supérieur à celui du protagoniste sont surplombés d'une... D'accord, ok. Donc le mec, tout à l'heure, il avait une indication rouge. Donc en fait, ça me disait que je n'avais aucune chance contre lui. Pourtant, j'ai quand même gagné. Pas le niveau là. Ah
déjà 2 sur 11. Bah tiens. Ces dash là. Pouh. Oh, c'est n'importe quoi. Il y avait ça. J'ai besoin de ton aide. Combattre aux côtés de Ronin captif. Ouais, ben c'est ce que je vais faire, mais attends. Non mais c'est le jeu de la rage quoi. On n'a pas avancé d'un iota. En fait, on... là ce qu'on fait, c'est qu'on se promène, on déambule, on meurt, on re-remeurt, on re-remeurt encore, on re-remeurt toujours, on re-remeurt encore et on gagne. Et après on refait un autre truc, on fait remeurt, on re-remeurt, on re-re-re-remeurt. Une blague. Ok, eux ils restent morts, d'accord. Yeah. Maintenant, on va s'occuper du gars. Aide-moi! Je ferai mieux la prochaine fois. J'espère bien.
Là, il n'y a que dalle. On a été repéré. Bien joué. Il y en a un là. Mais Lara, t'en bouge pas. Je vais te le contourner, moi. On progresse, 8 sur 11 et 2 sur 4. Ce n'est pas encore terminé. Qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Ouais. J'en vois deux. Je vais essayer de me les faire par derrière. Merde. Je pense que je vais pas avoir trop le choix. Mec, aide-moi!
c'est... Oh mais non! Putain. Qu'il est rageant ce jeu, qu'il est rageant! Faire le café donc putain mais il est pas mauvais le mec avec moi là, pas mauvais du tout. Donc là à mon avis ouais les ennemis là tout ça ça a été fait. Pas de jeu de foot, alors je pense que ton DLC... Ah ouais, non, Vincent, je... FF16, c'est Final Fantasy 16. Depuis quand FF, c'est égal FIFA? Ah, il est tout seul. Il est à nous. Tardez à crever mon gars. Ben voilà. Fou, un deuxième fugitif de battu. Fou. Qu'est-ce qu'on va avoir dans le coffre? J'espère une belle récompense, hein. Capuche de Shinobi. Et du coup là maintenant tu vas me suivre jusqu'à quand mon gars? Est-ce que ce mec là va me suivre jusqu'au bout? L'ennemi? Ah merde putain, c'est parce qu'on a pas tué tout le monde, fais chier. Oh le con. Ouais, faut qu'on bousille les derniers ennemis, à savoir le sanglier et le loup qui sont là. Vas-y, on va attendre qu'ils viennent. Thank you.
Nice. Toi, Meïta, tu restes là ou quoi? Ah, il est parti! Bye bye, Meïta. Ce fut cool de jouer avec toi. Même si tu n'étais qu'un PNJ. Tu m'as fortement aidé. Donc là, maintenant, on va pouvoir poursuivre notre route. Parce qu'encore une fois, tout ceci n'est pas du tout ce qui était demandé à faire au niveau de la quête principale. Mais on n'est pas loin, il reste 300 mètres à faire. Ouais, il était pas mal, hein. Un bon coéquipier. Un coéquipier qui m'a permis d'attaquer sans trop de difficultés, qui m'a permis tout à l'heure de me faire l'autre zigoto qui accompagnait le fugitif. Parce que le gars l'avait aggro, enfin, parce que le gars avait aggro le boss, entre guillemets, le fugitif, que j'ai pu me faire son lieutenant. Et en plus de ça, le lieutenant, il était pas compliqué à tuer, il faisait toujours les mêmes attaques. Fallait juste attendre hein, qu'il fasse ses deux coups de sabre. Ses deux coups de katana là, son enchaînement, et bam, après tu fais la contre-attaque. Juste avant, je vais regarder s'il n'y a pas moyen de changer ma tenue. Histoire de faire un peu plus ronin. Déjà, je peux avoir... Oh putain, je peux avoir un fusil. Non mais, mon fusil, le fusil que j'ai de base est à 29. Et j'ai un fusil niveau 106. Plus 77. Quel abruti. Là, c'est pareil. J'ai un arc 43 alors que j'en ai un autre en réserve à 68. Allez, on descend. Là, ici, on peut passer... on peut passer comme ça. Parce que pourquoi pas. Attends, tenue de shinobi. Ouh ! Mais voilà, c'est ça qu'on veut. Des belles tenues. Non. Bon, écoute, hein, voilà. On gagne, donc je prends. Donc là, on passe à 38. Non, là. Flèche talisman. Tac. Bon, j'aurais bien voulu être tout noir, mais bon, pas tout avoir. On dirait le masque de Sub-Zero. Pas faux. Par ici, mon ami. Par Allô, ici. Mec. Ah, vous voilà. Bon, écoutez. Voici le plan. Ces bandits sont retranchés dans le château. Ce serait du suicide d'entrer par la porte de devant. Heureusement, nous pouvons passer par la voie des airs avec mon prototype. Une fois à l'intérieur, vous n'aurez qu'à retrouver mes plans. Bien, pouvons-nous commencer? Êtes-vous prêt à prendre votre envol? Ouais. Merveilleux! Et ne vous inquiétez pas, je ne l'ai jamais testé, mais sa conception est exemplaire. Je ne pourrai malheureusement pas vous aider si vous vous faites prendre. Mais je suis sûr que tout ira bien. Bonne chance! Encore merci et bonne chance. Donc là je suis avec Rio. Coopération. Donc là on s'en fout. Recruter, soleil couchant. Non mais on s'en fout. On va lancer la mission juste à nous deux. Yes. À mon tour de briller, hein. Planeur, d'accord, ok, ça j'ai vu. Tiens, on en profite. Non mais continuez. C'est joli là. Attends, Rio. Putain, Rio, tu fais chier. Je veux faire
photo là. Ok. Comment il fait le mec baraqué là? Vous avez eu ça un peu? Les bras écartés et tout là? Ah, je suis pas satisfait là. Voilà, si je fais ça et ça. Ah, magnifique! Magnifique! Allez, boum! J'ai ma miniature. Voilà. Je pense que je prendrai cette miniature-là pour faire la vidéo. Enfin, pour faire la miniature de la truc. De l'image. Du live, du retour, je vais y arriver. Ok. Allez, c'est parti. C'était époustouflant. Magnifique. C'est parti. Pas fait gaffe, quand même, là. J'ai pas fait gaffe tout à l'heure si j'avais de meilleures armes. Remonter, hein, bien sûr. Ah, putain de merde. Faut monter, je peux plus monter. Attends, comment je fais pour changer de perso? Comment je fais pour changer de perso? C'est rien. Mais en tout cas, on est... Ah, tiens, là. J'ai eu du bol. Comment on fait pour changer de perso, bordel? J'essaye de voir comment ça marche.
merde. Comment tu fais pour changer, bordel de merde? Bon, c'est pas grave. Ça me saoule, ça. Je l'avais déjà fait en plus dans l'épisode 2. Bordel. Si seulement je peux apprendre. Qui es-tu, toi? Merde, tu essaies de voler mon trésor, c'est ça? Ah, mais je me suis encore cassé la gueule. J'arrive, poteau. Patate pas cuite du tout là.
Vas-y, Ryo. Et Ryo. T'es pas loin de mourir. Voilà. Putain, tout à côté, mais oui, j'avais trois flèches, enfin j'ai tiré trois flèches, les trois frais et les trois flèches sur le côté. Parce que pourquoi pas. Bordel de merde. Donc là on va aller checker l'entrepôt. Et encore une fois, hein, heureusement que je suis accompagné. Hein. J'aurais été tout seul, ça aurait été la grosse galère. Bon bah écoute hein, j'irai te chercher après. D'appareil photo. Et Ryo, il a pas beaucoup de vie. Hein. Venez. Tiens, t'es déjà là, toi. Les bandits vous ont repéré, mais vous avez réussi à vous en tirer. Splendide. J'ai vu ces vauriens s'enfuir à toutes jambes. Ah, mes plans. Oh, merci. J'avais peur que ces voyous les aient détruits. Maintenant, je vais pouvoir démontrer mes talents au propriétaire du studio. Voici le prototype que je vous avais promis. Prenez-le. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il fonctionne vraiment? Pas si vite, pas si vite. Attendez. Pensez à l'utiliser, d'accord? Vous ferez des envieux, vous verrez. À présent, je crois savoir qu'il y a un point de vue surélevé dans les parages. Que diriez-vous d'aller y prendre une photo? Suivez-moi. Attendez-moi. Par ici, suivez-moi. Ouais, t'as vu Saint-Vincent? Je C'était suis un archi château dans l'âme. Quand les seigneurs de Kira y résidaient. Je pense qu'en termes de ski, là, on peut pas faire mieux. Mais ces jours de faste sont loin à présent. Par ici. Venez. Très bien, il est temps de tester cet appareil photo. Ne soyez pas timide. Oh, je sais. Le temple où nous nous sommes rencontrés est parfait pour prendre une photo. Content que mon appareil vous plaise. Voilà. Impressionnant, non? Et ce n'est que le début. Il y a tant d'améliorations que je veux faire. Oh, et d'ailleurs, je dois partir. J'ai un appareil photo à réparer. Le propriétaire du studio s'emporte facilement, vous savez. Quoi qu'il en soit, je resterai à Yokohama quelque temps. C'est l'endroit idéal pour quiconque désire en savoir plus sur les inventions étrangères. N'oubliez pas que je ne conçois pas que des appareils photo. Si je peux vous aider en quoi que ce soit, venez me voir. Si vous le dites. Attendez, attendez! Ne soyez pas si brusque. Restons en contact et je suis sûr que mes créations vous seront utiles. Je logerai quelque temps au studio de photographie de Yokohama. Passez me voir quand vous voudrez. J'aimerais apporter de nombreuses améliorations à cet appareil photo. Alors, ne m'oubliez pas, d'accord? Alors.
la recherche de l'appareil photo terminé. Là, rendez-vous compte, hein, tout ce qu'il a fallu faire pour un appareil photo. J'ai hâte de voir la suite. Faites votre rapport à Taka. Et Taka, où c'est qu'elle est, la petite Taka? Oh la vache, c'est loin. Est-ce que je peux me téléporter? Mais en fait, d'ailleurs, c'est où? Moi, je suis là. Bannière des lames secrètes verrouillées. Ah! J'ai oublié de faire quelque chose là-haut. Ah ouais. Attendez. Salut Thierry. Vas-tu faire le jeu South Park Snowday? Non. Je n'ai pas reçu le code et comme j'ai pas l'argent pour l'acheter, bah du coup, ce sera Nine. Il y a des méchants ici. Aïe. Dans le cœur. Sandales traditionnelles. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre caisse? Non. On va regarder tout droit ce que j'aurais raté. Ah mais ouais, d'accord, ok. Donc là, faut que j'aille quelque part par là-bas. Est-ce que je peux me téléporter? Quartier. Voyage rapide. On peut faire un voyage rapide. Attends, d'abord, je vais faire un petit peu de planeur. Voilà, doucement. C'est pas ce qu'il y a là-haut, là. Là où sa femme. Peut-être un petit village. On ira voir un autre jour. Bon, là, je pense que... Ah, attends, bouge pas. Il y a une maison en face. On va voir s'il y a des pas-copains ou pas. S'il y en a, on les déglingue. S'il y en a pas, bah on continuera, quoi. D'ailleurs, là, il y a un petit feu de camp. Bingo! Je suis. N'empêche, hein, l'interaction avec l'eau, c'est vraiment du 1 sur 20. Hein. C'est vraiment extrêmement limite. Hein. Surtout quand tu vois ce que peuvent faire d'autres jeux avec un moins bon budget. Merci. Boîte médicale, charbon en poudre, pilule médicinale. Donc là, on va y retourner. Parce que j'ai pas vu ce qu'il y avait dans la baraque. Ouais, mais regardez, regardez. Il n'y a même pas d'ondulation, il n'y a que des éclaboussures vite fait, hein, mais vraiment vite fait. Hein.
sac, porte-bonheur. Non mais j'ai bien parce que la façon dont il tape sur la caisse, ça me rappelle tellement mais Ninja Gaiden. Ninja Gaiden de mémoire, c'était pratiquement la même chose, la même anime. C'est un triple A, clairement ouais. Un fugitif de vaincu. Par contre l'autre il est parti ou quoi? Ah non il est là. J'avais pas vu mec. Ce que je comprends, il y a un autre adversaire redoutable. On va s'en occuper. Et je crois qu'il est à côté du feu. Encore lui là. Comme quoi j'ai bien fait de ne pas me téléporter. Hein. Niveau de lien maximal. Vous avez suffisamment renforcé un de vos liens personnels de zone ou de Ronin pour qu'il atteigne le niveau de lien maximal. Toute tentative future de renforcement du lien vous rapportera les mêmes récompenses en continu. Je souhaite la bienvenue. Et mes chevaux aussi. Non, non, mais tu vois là... on améliore le perso, ça se passe bien... Le village a repris vie. C'est pas mal, moi j'aime bien. J'aime bien ce sentiment de progression, d'amélioration par rapport à l'environnement qui nous entoure. Alors, par contre... là on a quoi? Une bande à part. Moi je suis où? C'est moi ça? Je sais pas. On va continuer un peu à pied. Et ensuite on ira faire une petite téléportation. Ouais, tout à fait, Vincent. Ça me paraît bien.
Donc là, si je regarde la map, je suis ici, d'accord. Et on a un chat juste là à côté. On va y aller. Un petit chat calico. Attends, on va avancer tout doucement. Parce que je ne sais pas exactement où il est. Tiens, là en face, il y a quelque chose. Là, je suis parti un peu trop sur le côté, moi. Ah, je crois qu'il est à côté de la bicoque. La bicoque qui est là. Bingo. Peut-être qu'il est à l'intérieur, on va savoir. Salut toi. Allez, ça fait plus 1. Je peux pas y aller. Par contre là c'est joli hein. Là aussi, je pourrais faire une photo, mon gars. Non. Ouais, comme ça, c'est bien. Non, Choukri, parce que j'ai pas le jeu. Et je me relève. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va faire une petite téléportation vite fait bien fait? Je me tâte. Tu vois, parce qu'en fait t'as l'impression que tu peux vraiment découvrir des trucs vraiment très très jolis juste en te baladant. Là, tu vois, je pense qu'il faut prendre la peine d'explorer le monde comme ça, en marchant, en déambulant. C'est le cas de beaucoup de jeux, hein, mais c'est vrai que comme il y a beaucoup de choses qui sont planquées. Et là, c'est quoi? C'est encore un loup qui veut me montrer quelque chose. Ah, y a une bagarre. Que tu te mêles de nos affaires. Maintenant, tu vas te payer. Qui es-tu, toi? Son ami? Tu es retenu? La prochaine fois. Je sais pas si je peux faire quelque chose avec toi. Ok. Ah, tu m'en donnes des trucs, hein. Tu vois là, regarde. Tu peux te promener et voir des gens en difficulté, des Ronins en difficulté, et tu peux te dire, tiens, vas-y, je vais lui prêter assistance. Je vais l'épauler, je vais faire en sorte de le débarrasser des pas copains qui l'agressent comme ça là en plein milieu de la pampa.
C'est le même endroit que tout à l'heure. Fais-moi ça. Oui, le coffre est ouvert. Le coffre est ouvert, mais par contre, le mur s'est reformé. Et le bidon explosif, le tonneau explosif est réapparu. Parce que, pourquoi pas? Chaussettes de Rhône. Et on voit la cité en face. Reste plus grande distance à faire, hein, mais on va quand même se téléporter. Alors pour se téléporter, il faut que je vise là et que je fasse voyage rapide. Yes. L'ambiance est vraiment un bon jeu dans son style. C'est pas évident des fois de se démarquer et ses concurrents. Il a son style à lui. Ouais, bon, après, c'est un... Tiens. Il y a un chien. Oh, c'est le chien pèlerin, non? Vous pouvez lui demander de visiter des sanctuaires dans tout le pays. Mais ça prend du temps. Les gens s'occupent du chien pendant son voyage. Il est donc préférable de lui laisser un peu d'argent. Il y a une chance que vous receviez quelque chose en échange. Et si vous croisez le chien pèlerin de quelqu'un d'autre, prenez soin de lui. Vous ne pouvez en retirer que des bénédictions. Pourquoi ne pas essayer avec celui-ci? Bonne nuit, Guillaume. Là, je peux le caresser. Chien pèlerin de la Nagaya. Depuis votre Nagaya, vous pouvez envoyer un chien pèlerin visiter un sanctuaire à votre place en lui confiant de l'argent. Au bout d'un certain temps, ce chien reviendra avec des pièces en argent, des charmes et d'autres récompenses. Plus vous confiez d'argent à votre chien pèlerin, plus la récompense est importante. Ah bien! Bah attendez. J'ai combien? J'ai 21 000, je vais te donner 3 000. Yes. Excellent. Bon. Maintenant, faut que j'aille chercher quelque chose dans le quartier des plaisirs. J'ai des photos à prendre. Je ne sais pas du tout, Vincent. Je ne sais pas du tout comment on fait. Je pense que ça prend en compte à partir du moment où tu payes, quoi. Enfin, je sais pas. Vous voilà. Oh, je vois que vous avez un appareil photo. Je savais que je pouvais compter sur vous. Si vous le permettez, j'aimerais maintenant que vous preniez des photos pour moi. Je peux prendre une photo de vous? Ce n'est pas moi que vous devez photographier. Mais bon, si vous insistez. Parfait. Je vais vous indiquer dans quelle pièce vous rendre. Surtout, capturez bien l'essence de cet endroit. Je vous attendrai dans la pièce centrale, à l'étage. Non. Je veux juste la prendre en photo, mais elle est partie. Mince. Bon, c'est pas grave. Quartier des servantes. Comment? Du coup, tu continues de voir cet homme? Je me moque de son clan ou de son rang hiérarchique. Eh bien, seriez-vous jaloux? Vous n'avez pas à vous en faire. Nous avons simplement parlé, c'est tout, je vous le promets. Ma maîtresse ne me paie que pour ça. Vraiment? D'accord, donc là maintenant,
Faut que j'aille là-haut. Tu vois l'ivrogne qui est passé par la fenêtre? Mais voilà. Il s'est retrouvé dans un autre établissement. J'ai bien vu quelque chose dans sa brillance. Oh, peau de bait. On avait vu qu'on pouvait monter. Mais merde, l'escalier, il est où? Quoi? Oui. That's not it at all. Faut que j'aille à l'extérieur. Exactly. Photographie les... Quoi? Photographie les pièces. Not at all. Here. Mais pour ça, faut que j'aille dehors, non? Je piche pas. Je peux pas rentrer. That's not it at all. Yes, si je fais ça. Bah non. Exactly. Il y a un chat quelque part ou quoi? Salut Dylan. Écoutez, j'aurai bientôt l'argent. Je pourrais alors payer, vous et moi, eh bien... Bingo. Oh, quelle merveilleuse nouvelle. Mais où avez-vous trouvé cet argent? Salut, Superman. Exact. Comment je fais maintenant, bordel? Je vois pas par où je peux prendre la photo. Ou alors faut que j'aille là sur la gauche. Peut-être que c'est comme ça, ouais, non? Vous avez la marchandise. Mais il y en a plus que d'habitude. Oui, j'en ai amassé tout un tas. J'ai pensé que ce petit extra vous plairait. Non, espèce d'imbécile. Maintenant, j'aille retourner voir Taka. Mais Taka, on t'a pas encore pris en photo, hein. Tu n'y couperas pas. Je vais prendre ton visage en portrait. C'est moi qui te le dis. Par contre, faut que je descende ou quoi? Tiens. Mais ça marche pas. Vous êtes si rapide. Vous savez y faire avec un appareil photo. Pour finir, je veux que vous alliez dans la pièce au bout du couloir. Vous y trouverez un certain Kogoro Katsura. Il est plutôt intimidant, mais je suis sûre que vous n'avez rien à craindre.
bien, un peu plus tôt, il m'a dévisagé de façon effrayante. Mais je vous en prie, ne lui dites rien. Veillez simplement à ce qu'il ne vous voit pas. Ok. Ben j'y vais. Attention, attention. Bon, comment allons-nous atteindre Harris? Si vous avez des idées, parlez. Le consulat est très bien gardé. Nous ne pouvons pas l'attaquer de front. Il crache tant de fumée. Tous ces navires, oh, les horreurs que j'ai vues. Tu m'as pris en photo? Qui es-tu? Viens dans le jardin, vite! Avoue-le, tu es un espion du shogunat, n'est-ce pas? Tu vas mourir. Sacré espion cette fois. D'accord. Je suis le meilleur, apparemment. J'aurais peut-être dû me remettre de la vie. Mais c'est pas grave, on va recommencer, puis c'est tout. Alors, attends. Comment allons-nous atteindre Harris? Si vous avez des idées, parlez. Tac. Et là, on va passer. Ah bah c'est nickel. C'est trop facile. Maintenant, je suis sérieux. Le shogun s'est trouvé un sacré espion cette fois. Oh merde! J'essaie de comprendre comment le contrer. Oh.
Pourquoi tu lis jamais le chat? Bah parce que je ne suis qu'un humain, un humain qui n'a que deux yeux et qui forcément lorsqu'il y a un combat très très tendax a ses yeux rivés sur son écran. Voilà, je suis désolé de n'être pas un mutant. Je suis désolé de ne pas avoir quatre yeux. Hein. C'est... Un jour peut-être, hein, quand on aura la technologie, on va savoir. Comment allons-nous atteindre Harris? Si vous avez des idées, parlez. Le consulat est très bien gardé. Nous ne pouvons pas l'attaquer de front. Tac. Puis surtout, bon, dans le chat. Prend pas le combat directement. Pourquoi ça nous ramène à l'intérieur du bâtiment? Ça c'est un choix totalement débile. Pourquoi on est obligé de se recoltiner la séquence qui est là, surtout qu'après ça nous zappe la cinématique pour nous mettre directement dans le combat. Comment allons-nous atteindre Harris? Si vous avez des idées, parlez. C'est un choix super mal foutu. Cette
C'est trop facile. Jamais. Franchement, le système de combat, malgré les quelques heures dessus, j'ai toujours pas pigé. Hein. Bon, comment allons-nous atteindre Aris? Si vous avez des idées, parlez. Le consulat est très bien gardé. Nous ne pouvons pas l'attaquer de... C'est trop facile. Le Shogun s'est trouvé un sacré espion cette fois. Non. Maintenant, je suis Tiens, tiens, mais qui voilà? Est-ce que je peux savoir ce que tu fais dans le coin? Rien de bien important. Ah! Oh non. Est-ce que Katsura t'a provoqué? Tu connais cet homme? Oh, je le connais très bien. Figure-toi que c'est lui qui m'aide à chercher Maître Shoin.
Katsura est un de ses élèves et un ami proche. Il est incorrigible. L'autre soir encore, il était complètement saoul et il a dansé nu jusqu'à tomber dans une mare. Oh, Ryum. Désolé. J'avais quelque chose de très important à faire. Très bien. Buvons un coup. C'est moi qui paye. Ouais, non, le perso, il parle pas. C'est ça, c'est un peu dommage, ouais. Je suis venu voir qui causait cette agitation. Et il semblerait que ce soit vous et Monsieur Katsura. Voulez-vous bien me suivre chez moi? J'aimerais vous y dire quelque chose. Ouais, d'accord. Oh, merci. Quelle magnifique photographie. Mais non, il n'y a plus de désynchronisation. Je l'ai fait tout à l'heure. L'énergie de ce lieu. Il y a encore des synchros, là? Bien. Où en étions-nous? C'est pas possible. Ah oui, la samouraï qui était à bord. Lors de ma dernière visite au consulat américain, j'ai entendu une chose intéressante. Apparemment, elle s'y rendrait régulièrement, elle aussi. On dit que cette samouraï a une griffe de démon à la place d'une main, et qu'elle est la garde du corps de Monsieur Harris. Non mais il n'y a plus de désynchro, là. Ah, du coup, j'ai refait une deuxième désynchro dans le vent, alors. Ah, c'est chelou, ça. Avant, on pouvait enchaîner presque 3 heures sans désynchro, et là... Ouais, bah, tu me diras, ça fait déjà pratiquement 2 heures et demie. Hein. Quelqu'un qui est venu conclure un traité important avec notre nation. Maintenant que j'y pense, Kichi est en bon terme avec Monsieur Harris. Vous devriez peut-être lui parler. Vos photographies sont splendides! Vous tenez tête à Katsura. Y a-t-il une chose dans laquelle vous n'excellez pas? J'aurai d'autres tâches à vous confier. Mais c'est tout pour le moment. Profitez bien de votre soirée. Taka Moriyama. Okay. Le quartier des plaisirs de Miyazaki est votre première base. Votre base servira de lieu de rencontre pour divers personnages. Si quelqu'un que vous appréciez vous rend visite, essayez de lui parler pour renforcer votre lien. D'accord. Comme d'habitude, quoi. Ah, noble guerrier. Vous tombez à point nommé. Il se trouve que j'ai désespérément besoin de votre aide. Voyez-vous, mes chats adorés se sont enfuis. Aucun n'est encore revenu auprès de moi. Ils n'ont jamais connu que le confort de mon foyer et j'ai peur que ce monde cruel leur soit fatal. Je ne m'imagine pas vivre sans mes chéris. Auriez-vous la gentillesse de les chercher pour moi? Je sais que c'est beaucoup demandé, mais... Oui, qu'êtes-vous? Ah! Veuillez m'excuser. Où ai-je la tête? Je suis si inquiète pour mes chats que j'en oublie les bonnes manières. Je m'appelle Usugumo. Je suis une courtisane de ce quartier. J'espère que vous n'avez pas mauvaise opinion de moi. Mais non. Vos efforts seront grandement récompensés. Je peux vous le garantir. Vous pouvez échanger des pièces en argent contre des objets spéciaux. Plus vous recueillez de chats, plus le choix d'objets sera diversifié. Comment se passe la recherche des chats?
J'espère qu'ils sont tous saufs et en bonne santé. Hein? Voulez-vous encore autre chose? Élixir de soin. Voulez-vous encore autre chose? À bientôt. Nzugumo Dayu. Salut Augure. Donc là, maintenant qu'on a parlé à cette jeune femme, on va parler à Ryo. Le poteau Ryo, hey, alors juste avant. Tac. Montrez les chats que vous avez recueillis. Hey, non mais... On l'avait pas déjà fait, ça. C'est si gentil à vous. Merci d'être venu. Ah, j'ai une question à vous poser, j'ai quelque chose pour vous. Je voudrais vous parler de mes efforts pour trouver vos chats. Oh, vraiment? Je vous écoute. Votre aide est la bienvenue. Comment se passe la recherche des chats? Alors j'espère là, je vais qu'ils faire... sont tous... Non, pas ça. Retour en arrière. À bientôt, brave guerrier. Mais non, mais... Oh. Merci d'être venu. J'ai quelque chose pour vous. Ouais, non, mais là, c'est pour lui faire un cadeau. Oh. Et de quoi aimeriez-vous parler? Je sais pas, moi. Où êtes-vous... Oula. Où êtes-vous né? Le lieu de ma naissance? Oh, je vous en prie, ne me faites pas aborder un sujet aussi embarrassant. Allez. Imaginez simplement que je suis la fille de la personne qu'il vous plaira d'imaginer. Élevée de la manière qui vous paraîtra la meilleure. Oh là là. Lorsqu'on rêve, la réalité aussi vit dans le rêve. Lorsqu'on s'éveille, on comprend la réalité du rêve. C'est notre rêve partagé, ici même. Ici, le rêve et la réalité ne font qu'un. Mm-hmm. Vous aimez les chats? La véritable question n'est pas vraiment de savoir si je les aime ou non. Mais lorsque j'entends leur miaulement étouffé, mon cœur commence à battre de façon incontrôlée. Quoi? Cela vous paraît sans doute étrange, mais je ne sais pas le dire autrement. Peut-être aimeriez-vous parler d'autres sujets? Leur miaulement étouffé? Quoi, tu prends du plaisir à les entendre étouffer? Tu les étouffes pour ressentir du plaisir? C'est chelou. Est-ce que c'est vraiment ça qu'elle a dit? Oh, ne soyez pas si goujat, voulez-vous? Je suis une courtisane, ne l'oubliez pas. Si je m'élève dans la hiérarchie, je ferai ce que je veux plus souvent qu'à mon tour. Et vivre avec tout le monde est amusant. Cependant, le vrai bonheur n'a pas sa place dans ce bâtiment. Chaque étage est empli d'illusions. Nœud du destin, donnez ceci à quelqu'un pour grandement renforcer votre lien. Ouais, mais non. Je vois. Mais ouais, du coup, il est sympa comme jeu. Hein. Il est très sympa. Même si je gogolise tellement, j'ai beaucoup de mal avec le gameplay. Mais bon, ça va. Oh, tu rentres à la maison? Il paraît que tu cherches quelqu'un venu à bord d'un navire noir. Taka m'en a parlé. Alors, t'as appris quoi que ce soit? Non. Oh, quel dommage. Mais ne perds pas espoir trop vite. J'ai une idée. Malgré votre petit accrochage, Katsura est vraiment quelqu'un de bien. Il pourrait avoir besoin que tu lui rendes quelques petits services.
je te conseille de t'en faire un ami. Et à l'heure qu'il est, il a sûrement des saoulés. Tu devrais lui rendre visite. Il loge à l'auberge Sakura. Si tu y vas maintenant, tu devrais l'y trouver. Je parie qu'il peut t'aider dans tes recherches. Moi, je continue à chercher Maître Shoin. Je te le présenterai lorsque je l'aurai trouvé. Promis. Nous sommes amis à présent. Si tu as des ennuis, n'hésite pas à faire appel à moi. Ouais, comme tu dis, Augure, hein, les avis sont assez contrastés, mais pour ma part, hein, je trouve vraiment très sympa. Donc là, le jeu me dit d'aller à l'auberge Sakura. Il y a des gens qui disent que le jeu il est moche, que voilà, techniquement il est dépassé. Bah en vrai j'ai vu beaucoup d'avis contrastés, mais surtout d'un point de vue graphique. Hein. Parce qu'au niveau du gameplay, on a quelque chose d'assez exigeant, hein, comme ce qu'a pu faire le studio durant depuis les 15-20 dernières années, hein, parce que Ninja Gaiden c'est un gameplay exigeant, Nioh c'est un gameplay exigeant, on a Wulong qui avait un gameplay très exigeant. Donc ouais, dans ce monde tourmenté, vous rencontrerez des personnes aux grandes ambitions, réalisez leurs rêves et vous renforcerez vos liens avec elles. D'accord. Mais ouais, donc du coup, finalement on retrouve un gameplay assez similaire, ou en tout cas qui se rapproche énormément de ce qu'ils avaient fait précédemment. Mais par contre, la grosse nouveauté, c'est qu'on part vraiment sur un jeu open world. Là où avant on avait des niveaux assez dirigistes, hein, où c'était assez linéaire, là on a quelque chose de monde ouvert, quoi. Donc forcément ça change la formule qu'ils nous pondaient jusque là. Et après, est-ce que ce monde ouvert est parfait? Je ne pense pas. Est-ce que ça a été une prise de risque? Oui. Est-ce qu'il s'en sort plutôt bien jusque là? Oui. Mais ouais, non. Je pense que oui, il va falloir attendre d'avancer plus loin dans l'aventure pour se faire une idée vraiment globale au niveau du jeu. Mais pour l'instant, moi, j'en ressors assez content. Hein. On a un jeu qui est joli. Hein, ça, j'en démordrai pas. Qui est un peu désert, parce que là, on est dans une cité qui devrait être beaucoup plus fréquentée, mais bon. Encore une fois, c'est leur premier open world, je crois bien. Donc, y avait peut-être des problèmes d'ordre technique. Peut-être que pour le framerate, il fallait ne pas mettre trop de PNJ à l'écran. C'est vrai que lorsque tu es dans un petit village, qu'il n'y ait pas beaucoup de monde, c'est pas dérangeant. Mais lorsque tu es comme là, dans une cité qui est assez balèze en termes de taille, et que finalement il n'y ait pas plus de gens que ça, c'est comme si les gens étaient partis au boulot, vraiment en dehors de la ville, ou qu'ils étaient tous chez eux, à ne pas bouger, à regarder la télé, lol. Mais on verra bien, quoi. Ah ah. Alors attends, j'ai un truc. Donc là on a quoi? Là on a la mission. Là on a un chat. On a un chat ici également. Ah oui, mais le chat il est à l'intérieur du quartier des plaisirs. D'accord, ok. Mais ouais, donc du coup moi les amis, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que bah voilà, on approche les minuit, hein. Il est minuit moins 5. Si je lance la mission, si je m'en vais à l'auberge Sakura, on va lancer une cinématique. Il va y avoir une mission juste après. Donc si je m'écoute, on va aller faire le truc et on va se retrouver avec 20 minutes, une demi-heure, trois quarts d'heure, voire une heure de gameplay en plus. Et je peux pas me le permettre, hein. Il faut que je fasse mon petit montage tranquillou pépouze. Donc là attends, vite fait, pas attiré par Nioh et Wulong à cause du côté fantastique, mais là c'est plus réaliste, historique, et ça m'attire. Ouais, tout à fait, ouais.
Ouais, là, bon, il n'y a pas de fantastique, mais ça n'empêche pas de croiser des gars qui mesurent 3 mètres de haut et qui pèsent 500 kilos, hein, comme tout à l'heure lorsqu'on a été récupérer l'appareil photo. Mais à part ça, ouais, non, il n'y a pas trop de fantastique. Donc, bah écoutez, j'espère en tout cas que ce live vous a plu sur ce Rise of the Ronin. Demain soir, ou plutôt ce soir, parce que... Non, demain soir, parce qu'on n'est pas encore mercredi. On fera la suite de Banisher. Parce que bon, il faut quand même qu'on le termine, ce jeu. Et peut-être, c'est même sûr et certain, à mon avis, on refera de ce jeu jeudi soir, 21h15, comme d'hab. Vous n'oublierez pas, bien évidemment, de lâcher un petit pouce en l'air si c'est pas déjà fait. De regarder la vidéo de Outcast que j'ai sortie tout à l'heure et les autres vidéos qui arriveront demain après-midi. Et puis bah, je vous souhaite une bonne nuit, faites un bon gros dodo, rendez-vous donc demain sur la chaîne, de bon pied bon oeil, et puis bah voilà, allez, sur ce, ciao tout le monde, et puis bah à demain, j'espère, bye bye.